Super. Ben, nous voilà en tôle. Souviens-toi. Ouais. C'est en fait le petit gamin qui se fait emmener quand nous on se réveille dans la cage. Bonne ambiance. Ben, c'est nous. Une très mauvaise chute. Ah. Ok. Je pensais qu'on avait fini. Non, tu vois, ça continue. Tu vois qu'on se fait manger. Tu vois que c'est des enfants qui se font manger. On peut pas leur faire de câlins à eux, non, ils fuient comme la peste. Je passe pas dans cette fissure, c'est emmerdant. Bon bah, go. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Bah super. Bah t'es coincé. Bah il est coincé. Ah attends. Non, ça va mieux, t'es calmé. La musique a changé du coup. C'est un pote, c'est un pote. Ah, peut-être que vu qu'on est deux, qu'on peut pousser peut-être. Ah mais attends, vas-y. Ah, c'est pas mal ça. On devient pote avec les petits gnomes, du coup on peut... On peut avancer grâce à eux. Ça, c'est quand même bien cool. Allez, viens. On a besoin de ton aide. Super. T'es un bro. T'es un bro, c'est incroyable. Ouh là là, attention. Okay. Est-ce que ça sentait pas l'idée? Dans le 2, on fera peut-être un jeu où on peut être à deux. Peut-être. Et un pote enfermé! Il y a un truc là. Une bouteille? Non. Tu veux une bouteille? Si. Yo! Le pauvre. Il y a un pote enfermé là. Ouais, je vois ça. T'inquiète, on va libérer le pote. Ah, mais non. Ya. Vas-y. Libère ton pote. Non, il va faire. Bah, allez, mais tu peux pas tout seul. Ah, vas-y. I believe in you. Et ton pote. Mais. C'est ton pote qu'il faut aider, c'est pas poussé là. Ah bah monte, oui. Tu peux pas monter sur le bout de merde. Je peux pas. Zut. Bon, ça je l'avais envoyé parce que je pensais qu'il allait aider son pote. Comment on fait?
C'est peut-être ça, mais t'es peut-être pas centré. Je sais pas, j'en sais rien. C'est ça, faut être 3. Là, tu peux pas la tirer, cette caisse-là. Non, je peux juste m'agripper, en fait. D'accord. Ok, ça sert à rien, merci à tous. Je ne sais pas. Je sais Et pas. Même en courant, ça marche pas? C'est en courant que j'ai essayé. Ou alors il y a un truc que j'ai pas vu là. On est coincé. Moi, je vois qu'une question de placement hein, quand tu essaies de sauter. Parce que là, quand tu te mets vraiment trop au milieu. Y a les cartables qui t'embêtent. Attends, je regarde si je peux pas en tirer un. Ah! Ah bah voilà le deuxième poteau. Câlin. Câlin. Mais. Oh, putain. Mais bordel! La perspective. Ton pire ennemi dans ce jeu. La perspective. Non mais c'est vraiment. Des fois, on dirait que les persos ils se bloquent en fait. Allez hop! Faites-moi tomber ce truc. Voilà, c'est bien. Ah, vous êtes des bons. Vous êtes des bons. Incroyable. Allez, le pote. Salut, le pote. N'aie pas peur. On ne te veut aucun mal. On fait des câlins. Viens rejoindre notre crew. Ok. Viens rejoindre la bande. Allez, hop, viens. Parfait. Allez, non. We open this door. À 4, on est plus fort. Voilà, c'est bien. Ok. Attends, avec notre crew, et... les trois petits gnomes. Une crew. The crew. Viendez, les potes. Alors, des chapeaux pointus. Les petits gnomes. Oui. Et donc j'ai fait tomber du charbon, ouais, ok. C'est cool, génial. Génial, vraiment. Quel intérêt. Quel intérêt, je ne sais pas. Ah. Ah, ok. Salut. Non, pas de câlin. Voilà, c'est le pote habituel. Je monte là, c'est ça? Ah oui. Ah, d'accord. On va lancer les charbons, ok. Il y en a un petit peu plus faiblos que les autres. Ah. Ça a fait tomber une échelle. Il y a une porte qui s'est ouverte aussi. Ok. Ah, il y a un bot là. Mais qu'est-ce que tu veux? Salut. Come on, boy. Tu vas aussi? Ok, let's go. Vas-y, aide-les. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un autre pendule en retour. Merde.
je pensais pas qu'il y avait... Le trou était si proche. Alors, tu sais, le nœud pendu, c'était peut-être pour ça. Bah, en fait, je voulais sauter, mais je pensais pas que le trou était si proche. Shit. Bon, c'est bien, vous avez tout compris. Ouais, jeter vos morceaux de charbon. Donc, qui dit nœud pendu, dit trou. Oui, mais je pensais que le trou était pas si proche. Juste pour descendre. Ouais. Salut. Mais tout crado, toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, vas-y. Va. Exigé. Il est cassé, lui. Ça va? Ok. C'est bon, il a fait. Il fait le taf. Tant mieux. Alors, maintenant. Il y a un chemin, là. Yes. Oui, c'est un endroit où il y a les. Il y avait un morceau de charbon. On peut tirer ça? Non. Non. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bah, surtout, ouais, ici, y a pas l'air d'avoir quelque chose à faire. C'est bizarre. Ah! C'est peut-être dans la pièce, dans une autre pièce après. Un peu comme quand on cherchait la viande pour faire les saucisses. Pam, pam, pam. Ok. On a cette échelle, hein. Let's go. Hein. Ti-di-di-di-di. C'est l'aveugle. Le retour. Ouais. Je n'avais pas encore assez joué avec lui. Tant qu'on marche sur le... Sur le tissu. Ça va. Ça, j'imagine, ça va attirer. Oh. Il y a une manivelle à tourner. À quoi elle sert? On va bien voir. Merde. Ça sert à ouvrir un truc. Ouais, donc okay. Je suppose qu'on se jette dedans, justement. Sûrement. Mais je pense qu'il faut que je récupère le pote. Parce qu'il y a un pote là.
Non ? Je sais pas. C'est un fake pote. Un fake pote. Je pense que c'est un fake pote. Bon, il est déjà décédé, je pense. Attends, je vais quand même aller voir. C'est rien, il y a tout un chemin. Ouais, peut-être que non, finalement. Attends, parce que déjà là il y a un levier. Est-ce que tu peux sauter, bordel? Ça allumait un truc. Ah, ça va allumer la scie. Je vais quand même aller voir. Ah ouais, c'est juste un. Un fake pot. C'est juste un fake pot. Prends-moi cette scie. Non, j'imagine que ça, en fait, c'est pour la tirer. Le temps qu'on. Souris, bonjour. Mm-hmm. Alors, que devons-nous faire? Tiri. Ah, là, pote. Il y a un pote. Un vrai de vrai pote. Un pote, mais il est enfermé en bouteille pour le moment. Ah, attends, si. On peut récupérer un truc là? Non? Je t'ai dit peut-être que je peux jeter un truc sur. Si t'essaies de sauter sur. Enfin, j'ai l'impression que l'échelle c'est une échelle que tu fais descendre. Oui, je sais, mais. Je peux pas, en fait, je suis trop court. Je voulais prendre un truc pour le jeter, il y a peut-être un truc prenable quelque part. Non. En tout cas, point ici. Peut-être là-dedans, il y a peut-être un truc. Non. Ah. Vas-y. Saute. Bon, bah là, du coup, faut choper le pote. Et le pote, il va falloir le jeter sur l'échelle. Viens avec moi. C'est plus énigme, là. Ouais. Je te dis, ça fait plus limbo que. Bah, que le jeu normal. Oui, on va gagner. Oui, bonjour. Nadia, ça ressemble à la salle qu'on avait. Avec l'œil, oui. Mmh. Ah, ok. D'accord. Ah! Ah! Elle est là. Elle est au niveau des chaussures. Actuellement en train de fuir. Et au niveau des chaussures. Actuellement en train de fuir. Dans la zone à chaussures. Mm-mm. Ok. Donc là, on peut faire descendre ça, d'accord.
Oui, et maintenant pour descendre là. Cherche un moyen de monter sur ce truc. Et ça m'étonne qu'ils mettent des caisses comme ça en fait. Ouais. Ok. Allez, on redescend. On redescend. Allez mon petit pote, il va falloir qu'on pousse. Peut-être dans l'autre sens en premier lieu. C'est quoi? Parce que de l'autre côté c'est fermé donc. J'ai cru voir un. Qu'est-ce que tu fais? Mais il essaie de le freiner. Mort. Voilà, il y a un passage. Mmh. Ok. Oh là. Oh putain, ça s'arrête jamais, quoi. Il y a un pote. Oh, le pote, là, qu'est-ce que tu fais, là? Reviens. Il veut pas. Ça, on peut pas. Non. Ça me fait pas aller si loin. Ça, je peux pas l'atteindre non plus. Pam pam pam. Non, en vrai, si, j'aurais besoin du pote là. C'est pour ça, tu penses pas que le chariot, il faut essayer de le faire monter plus haut pour essayer de dégommer la porte? Ça m'étonne. Bah moi, ça m'étonne pas tant que ça, vu la pente qu'il y a à un moment de rail. Voilà, bordel. Ah, attends. J'ai pas réussi. J'avais l'impression qu'on était prêt à le choper. Ah. Voilà. Allez, viens. Il fait une panique. Ok, bon. Ok, j'ai compris. Oh, purée. I understand. Qui je vais. Mais mets-toi en face. Ok. Alors peut-être avec la vitesse. C'est ça. Chope le pote. Oui. On a besoin de ce pote. Il est où? Yeah. Ok. C'est reparti. On cherche à attraper le pote. C'est bon, oula. Assommé par un bloc de charbon. Aïe. La perspective. Il a fait la même connerie que toi. La perspective. Viens. I'm begging you, viens. Et hop. Hop là. Parfait, c'est bien les potes. Allez, come on. Vous venez. Mais il est où l'autre? Pourquoi il vient pas? Viens.
Il te voit, ouais, pote. C'est parti. Elle on vient couche. De... Vous servez à rien. Si, si, ils aident, ils aident. Ouais, ouais. Ah si, regarde, ils sont accrochés, là, ils tirent. Ah ouais. Allez. Je pense allez, que tout seul, à deux, tu peux pas le monter. Hein. Oui, bah oui, non, effectivement. Yeah. Voilà. Et alors maintenant... Ah bah c'est vrai. Ah oui, attends. Aidez-moi. Non, tu te démerdes. Cisaille. Mais non. Ok. Ok, ok. Ah, on se abandonne là. Ok. Merci copain. Oh putain. C'est des chutes quand même. Ok. Je suis là, je suis là. C'est bon, on pourrait y aller. Et on pousse. C'est parti. Et... Oui. Ah yeah. Ouvert. Et ah oui, non, voilà ici. Ah, peut-être qu'on peut ouvrir le truc. Non. Non, en fait, c'est doit être pour les faire tomber. On dirait. Vu qu'ils attendent patiemment. Je reviens. Vu qu'ils attendent patiemment. Parfait, merci les potes. Allez, viens. Allez, venez avec moi. Là. Allez, travailler. C'est une mécanique très limbo. Hein. Enfin, très inside plutôt. Allez travailler. Très inside, en mécanique. Alors là, ils sont en fond. Là. Allez les gars! Ouais, vous êtes bons, vous êtes bons. C'est pas suffisant. Reviens là. Il va y aller, non? Non, il est là. Il faut choper maintenant. On adore ça, choper des petits copains. Hop! On a un qui est coincé là. Tiens, on vous donne de l'amour. Allez hop, vous allez bosser maintenant. Alors... Non, ils ont pas besoin d'aller mettre du charbon. Si, ils vont y aller, mais après. Aïe. Sauvegarde en cours. Il y a un passage, un levier. D'accord. Bon, on se calme. Ah. Il y en a un qui marche sur les deux. On va retrouver un fusible, quoi. Je m'attendais pas à le voir là, lui.
C'est génial, on voit rien en plus. On voit tellement rien dans cette zone. Ouais. On a la recherche du fusible, du coup. Ah, merde. Je sais pas où je dois aller. C'est même pas où on doit aller. On sait même pas ce qu'on doit faire là. C'est même pas où aller. Sur la table. Cache-toi. Ouais, mais bon, quoi faire? C'est ça le problème. On temporise, on temporise. C'est un truc dans le fond, mais je suis pas sûr. Ouais. Oh merde. Touche la table. Touche hors de table. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait le tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste là. Putain, il... mais c'est stressant, on voit que dalle. We can't see anything. C'est surtout que je saurais où aller. Retourne explorer là où il était. Je sais pas. Oh, quelle merde. Mais elle est où ce putain de fusil blanc? Ou ce truc que... Je te dirais bien, retourne là où il était avant. À moins que... C'est d'un stress, on voit que dalle. Il y a un escalier. Ah, voilà. C'était donc par là. Ah, fallait comprendre. Sa mère. Attention. Ok. Ah, de la lumière, putain. C'est pas le truc par terre? Ok, ce truc là? Oui. Non, c'est une canette. Ouais, j'ai cru. C'est... Je suis très déçu. Du coup, je suis très déçu. Du coup, je suis très déçu. Oui. Attends. Je peux peut-être. Est-ce qu'on peut ouvrir les autres? Oui. Attends, okay. Parce que j'ai eu cette chaise. Ça doit pouvoir m'aider quelque part. Là. Ah oui.
Là, je trouve ça encore plus angoissant que que le jeu de base. Que le jeu de base. La difficulté est quand même plus, plus élevée, je trouve. Ce n'est que mon avis. Et toi ? Mmh. Je trouve quand même beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus énigme, c'est ça. Bonjour. Bonjour à tous. Et on descend. Et on descend. Les trappes. On est où du coup ? On reçoit une follow the conduit. Ah. Yeah. Ici. Putain, c'est la pièce où on range les fusibles. C'est la pièce à fusibles. Cette pièce ne m'est pas inconnue. Ah bon ? On n'a pas eu tout à l'heure une pièce avec des tiroirs comme ça Si, mais c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même. Est-ce que tu peux sauter, bordel ? Ok. Le fusible. Voilà, c'est sûr. Ah, par contre, qu'il nous faut. Question que je me. Reviens. Bien. Oh, un peu court. Dommage. Bon, on va utiliser celui-là, hein, tant pis. Hein. Je voulais pas l'utiliser. Mais... D'accord, on est revenu dans cette pièce. Il est là. Il fait le tour. Non, putain. Table. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on n'arrive pas bien à voir où il est. Ok, il est là. Un peu parce que là. Oh, mauvaise idée. Le fusible, sauve-toi avant moi. Vas-y, fusible. Fusible. Cours, fusible. Fuis. Fuis. Bon, c'est pas grave, on reprend là, tout va bien. Pardon. Le DLC est plus. Putain, le DLC va être plus long que le jeu réel, quoi. Le DLC est vachement plus long que le jeu de base. Hein. Ben ouais. Dis donc. Ni non. Casse-toi de là. Va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Oust. Michel, pousse-toi. Et il est plus stressant. Michel, pousse-toi, s'il te plaît. C'est bien, Michel, merci. Tout doucement. Il est plus sur la pointe des inquiétant. Pieds. Essaie de ne pas marcher dans le truc noir. J'essaye. Voilà, tranquillou. Petit, on y va. Petit pied, petit pas. Va, petit pas. Tranquille, on prend notre temps. Ça va aller. Oui, ça va aller. Tout va bien. On se met pas à courir comme des cons. Tout va bien. Ah, pardon. Excusez-moi. Putain, cette ridicule source de lumière. Oh là, on n'avait pas le choix là. Ok. Là, on fait sauter les plombs. On va encore lui péter les bras. Sûrement. Ok. J'ai cru qu'il allait encore taper. Oh, plein de potes. Il y a du monde là. Non, mais revenez, putain. Mais revenez.
Où est-ce qu'ils sont partis? Il y en a un là-bas. Il y en a un là. Il y en avait deux là. Non. Câlin. T'inquiète, gars. Ça va aller. Putain, ils nous font une crise de panique en fait. T'inquiète. Ils nous font tous une crise de panique en fait. Viens, non, mais non, mais. Vous inquiétez pas, mes potes, ça va aller. Oh non, pitié. Mais tu peux dire à ton pote d'arrêter? Mais qu'est-ce couille? Il en peut plus. Oh merde. Et bah merde. Fais chier. La perspective. Oh, c'est vraiment de la merde hein, pour ça. La perspective. Voilà, c'est bon. Pousse-moi. Pousse-moi. Tu fais quoi? Tu bats la mesure? Mais il est con, là. Fallait me pousser. Pourquoi il me pousse pas? Mais pourquoi il est débile, là? Pourquoi il fait ça, là? Ah. Faut que tu fasses ça et que tu l'attrapes. Tu dois comprendre. Je peux même pas pousser plus que ça. Ah oui. Ok. D'accord. Bon bah, go. J'ai pas compris comment t'as fait ça. J'ai pas compris non plus. Mais ok. Je sais même pas si je peux atteindre la plateforme. Là t'as bien. Trop loin. Voilà, en milieu. Elle se barre. Bah oui, elle s'est barrée sans moi. Tu peux revenir? C'est vraiment limite. Salut. Câlin, frère. Voilà. Allez, zoom. Allez, va chercher ton pote. Là. Va chercher Bonheur. Bon, et l'autre, là. Aidez-moi, là. Bloquez-le. J'ai pas fait un truc. Il est trop chiant. Ah, ça l'a décalé. Ça l'avait décalé. Mm-hmm. Non, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être le... L'encercler. Encerclez-le. Faut quelque chose, les gars. Ah oui, si tu te mets au-dessus. Ah ah, je suis là. Je sais pas qui j'ai attrapé. Mais c'est pas le fuyard. Merde. Putain, mais c'est trop chiant. Et cours. Et cours. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Oh, ok. C'est trop casse-couille. Oh mon dieu, c'était trop chiant. Cours. Allez, venez. Allez, venez les potes. Faut qu'on se casse de là. Faut que vous alliez rejoindre les potes pour le charbon. Faut que vous alliez charbonner avec vous. Ah. Ah bah là on est... On est pas terrible. Et... Un. Et deux. Et deux. Et trois. Ben non. Fallait pas sauter dessus. Fallait pas sauter dessus en fait. Ah, faut bloquer avec la caisse. Ouais, c'est ça. Tu les laisses là, tes trois potes.
Hop! Parfait, bravo les potes. Bougez plus, hein. Gardez la pause. Ça doit être bon. Ah oui. Venez! Come on! Vous venez? Ouais, ouais, ils vont venir, ils vont venir. Allez, come on! C'est bon, c'est parfait. Ah là là, hein! Compliqué, hein! Ah, faut tout vous dire. Allez hop! C'est pour ça qu'ils ont des chapeaux pointus. Allez hop! Un peu con. Toi aussi, allez hop! C'est un peu des clous. Allez hop, on est parti! Attendez-moi! C'est un peu des têtes de vis, hein. Allez hop! Et allez, on est parti! Nous y voilà. Allez, come on! Bien. Parfait. Lâche. Non. Si, si, il lâche, t'inquiète. Mais il vient pas. Si, si, tu vois, il arrive. Lâche plus le temps. Non, il faut qu'il vienne tout de suite. Laisse le temps. Come on. Show me your moves. Allez. Putain, c'est une véritable... Qu'est-ce que vous faites, là? Allez, là, allez c'est... travailler, là. C'est une véritable industrie. Là, je pense que ça doit être bon, et là, je pense qu'il faut qu'on monte là-dedans. Ouais. Je pense. Je pense aussi. Et puis la musique laisse présager que c'est bien ça qu'il faut faire. On monte, on monte, on monte. C'est le moment grimpette. Eh ben dis-donc, il est très long ce DLC. Putain, il est plus haut que le jeu de base. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Par contre, faut descendre. À un moment, on descend. Parce que... Ah, vois un pote? Vois le pote. Attends, j'arrive. Où es-tu parti? Pote? Pote? Il est dans une fissure, on l'a pas vu. Pote? T'es où? Là, dans le trou, là-bas. Il y a un trou? Non, au premier plan, au premier plan. Non? On va rien dire. Je me fais dire. Oui, si. Ah, ça, cette scène me parle. Cette scène-là, on la connaît. Non? C'est lourd. Tu n'y arriveras pas. Ah, salut. Ah, il y a le singe qui fait de la... Ah. Et tous les potes? Venez m'aider! Aidez-moi! C'est des vrais potes? Ouais, c'est des vrais potes. Ils viennent direct. Venez tous me voir! Aidez-moi! Ah bah, carrément! Ah oui! Merci les potes! Oh! C'est la maison des potes! Salut! Salut les amis! Eh ben dis donc, vous êtes nombreux, là là! C'est le repère des potes! Partons du repère des potes. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça se coupe. Ok, si je m'attendais à voir ça. Donc ça va être le troisième niveau. Les niveaux sont beaucoup plus longs, hein, disons. C'est du haut. Je sais pas depuis combien de temps on tourne. Je sais pas exactement. Tu vois que c'est mieux d'avoir le chrono là-bas. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps en fait. Putain,
Je sais pas si c'est plus long que le premier jeu, mais en tout cas, il est... Mes potes. Je pense qu'il va faire la même durée que le jeu normal, quoi. Enfin... Ok, bon, nous voilà chez... Chez madame. Chez la demoiselle. Chez la dame en kimono. Oui. Bonjour. Enfin, je sais pas. Ah, j'avais déjà plus de souvenirs de ça, en fait. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fout là? Il est là. Il y a une clé. Sur un couffin. Hein. Ouais. J'ai vécu une clé. T'allumes pas la lumière. Vu qu'elle regardait, vu qu'elle regardait dans le fond, je pensais que la lumière. Je pensais pas que la lumière, ça allait la trigger. En fait. Oh putain, ça m'a fait sauter! Je pensais pas que la lumière allait trigger la femme. Hein. Pourquoi t'allumes la lumière alors qu'on voit clair? Non, on voit rien. Là, pour l'instant, oui. Là, t'as plus besoin. Oh putain. Là, mon cœur, il a fait un bond. C'est pas nous. Je vous jure, c'est pas nous. On n'a pas besoin de la clé tout de suite, ça a l'air. Ah ouais, voilà. Ça me parle. C'est quoi cet endroit? Je crois que les niveaux sont vachement plus longs. Je suis pas sûr qu'on va... On va peut-être faire une coupure, en vrai. On va peut-être s'arrêter ici, parce que je crois que... Là, c'est... Dans mes souvenirs, ce truc-là, il est super long. Pour ça que j'avais trouvé ça étonnant que le moment... avec la dame, il soit si court dans le jeu. C'est parce que moi, je me souviens de ce truc-là, en fait. Oh, bordel. On a sous-estimé la longueur du DLC. Le DLC est bien plus long. Waouh. Bon, en tout cas, bah, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le DLC et on reprendra dans une prochaine session. T'en penses quoi de ce DLC? Parce que toi, tu l'avais pas vu. Eh ben, il est beaucoup... Je le trouve beaucoup plus difficile, beaucoup plus orienté énigme, plutôt que survie pure, en fait. C'est ça. C'est pas juste s'échapper, là. C'est carrément, t'as tout un tas de puzzles à résoudre. Et c'est intéressant parce qu'il y a la mécanique des potes qui annonce probablement Little Nightmares 2. Là, ouais, où il y aura ça, ouais. Où il y aura justement une coop. Ouais, le DLC, j'arrête pas de le dire, mais le DLC, il fait très très inside dans l'esprit. C'est vrai, oui, oui. Le truc d'avoir plein de potes pour t'aider à avancer, ouais. À en réunir un maximum pour pouvoir avancer sur certaines énigmes, je trouve ça très, très intéressant. Après, on comprend pas plus l'histoire que ça. Hein, non, ça... Ça nous mais a fait comprendre qu'il y a certains trucs... On suit en parallèle le parcours de la fille en imperméable. Oui, c'est ça, oui. Mais, waouh, wow, il est beaucoup plus... C'est quoi? C'est parce qu'on joue à un gars et du coup, c'est beaucoup plus difficile C'est le bordel. Non. C'est juste que c'est le DLC. Je pense qu'ils avaient plus de... Vu que le jeu avait plu, ils avaient peut-être plus de... De moyens. De moyens et de peut-être qu'ils avaient plus d'idées à oui, mettre peut-être. En place. Et c'est pour ça peut-être que le DLC est plus long. Bah, en tout cas, le DLC, je pense, il est quasiment plus long que le jeu de base, en fait. Bah ouais, parce que là, la zone, elle a l'air immense. C'est ça, ce truc-là, je me souviens que c'est super long, en fait. Putain, c'est un what the fuck, quoi. Donc voilà. Mais très, très intéressant. Enfin, l'ambiance, elle est encore. On monte d'un cran en termes de difficulté et d'ambiance lugubre. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait beaucoup plus flipper. Tu te retrouves beaucoup plus dans le noir. Vraiment, le passage avec l'aveugle où tu vois quasi que dalle, c'est assez, assez stressant. C'est vrai. Mais je crois que ce moment-là, il est vachement plus long et plus dur que bah, la partie avec... T'as la lumière, en mode, oh, c'est bon, je l'ai passé. Non, elle est pas d'accord.
Bon, bah, on reprendra ce qui semble être la dernière partie. C'est ça. La dernière partie du DLC. En tout cas, bah, si cette session et ces vidéos vous ont plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner, mettre un commentaire et même partager les vidéos sur Twitter, Facebook, réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux qui existent, je ne sais pas, hein, après. Blue Sky. Je sais même pas si on peut encore partager. Si vous faites partie des élus. Ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup. A plus et à la prochaine pour la suite et fin de ce DLC de Little Nightmares. Merci beaucoup. A plus et à la prochaine. Salut. Salut.